Champions, Francis Mouret, Swick. Tara Marquez, troisième. Voilà l'arrivée maintenant de Fabien Doumet, le champion de France Espoir, qui termine à la quatrième place et qui s'était rapproché de Tara Marquez. Donc à nommer, on rejoindra tout à l'heure le podium protocolaire. On attend le top 10, 5e, Radomir Sibunek, République Tchèque, 6e, Marcel Meusen, donc Allemagne. À la troisième place, Fabien Doumet, donc le meilleur espoir, et maintenant nos trois hôtesses vont aller remettre les bouquets aux lauréats sur le podium. Retrouvez donc sur le podium, voilà, les bouquets sont sont remis aux lauréats, et voilà pour à nos côtés. Denis, est-ce que tu as envie de dire quelque chose à Francis, parce que il a été dépossédé de son maillot de champion de France, et on peut dire qu'il a su rebondir et rapidement et se remotiver. Effectivement, moi je l'ai vu dans la semaine, Francis, j'ai compris qu'il avait envie de, comme on dit, de remettre l'église au milieu du village. Et on aime bien Francis, c'est un grand champion, mais c'est aussi un garçon humble, simple, modeste, qui est plein de qualités. Humainement, c'est un grand bonhomme, Francis, je vous l'assure. Francis, Daniel, tu as dit tout à l'heure, et les organisateurs de Dark Mercelaine ont tenu à lui rendre hommage. Il a gagné 8 fois le cyclocross de Dark Mercelaine. Et il a détrôné un coureur que les spécialistes connaissent. Quelle est ton approche des championnats du monde ? Ce soir, je m'envole pour l'Espagne une semaine pour travailler, on va dire, avec des bonnes conditions climatiques, avec de la chaleur. Et après, Coupe du Monde en Hollande et championnat du monde, et aussi qu'on espère viser le podium. Eh bien, on te le souhaite en tous les cas. Je crois qu'on peut les applaudir. Merci à vous tous d'avoir passé cette journée avec nous.